Une usine à four à chaud. Salut tout le monde. Donc là, je suis au nord des Calanques, côté terre. Il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Je suis dans le secteur des loups en ce moment. Vous avez dû le voir dans les infos. On parle beaucoup des loups dans les Calanques. Pourtant, rien ne confirme que ce sont eux qui ont tué les chèvres. Ce matin, la police de l'environnement, qui dépend de l'Office français de la biodiversité, s'est déplacée pour faire des prélèvements. Ils font partie de la vie, ils sont là. Et je vous dis, la forêt est là, les propriétés montent dans la forêt, donc c'est clair que oui, ils sont là. Effectivement, du loup dans notre région, et pas que sur le camp militaire de Carpiane, il y en a tout autour de nous, dans le massif de l'Étoile, dans la Sainte-Baume. Nous sommes entourés de loups. Il faut savoir que... Encore cueillir le sumac, une épice méditerranéenne qui a le goût acidulé un peu. Il y a beaucoup de sel qu'on trouve d'animaux qui sont remplis parce qu'il n'y a pas grand chose à manger, donc ils mangent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils trouvent très bon ça dans la cuisine. Une bonne épice dans les recettes libanaises, syriennes, ils utilisent beaucoup. Donc là on voit bien les baies de sumac qu'il a mangé. La bruyère multiflora qui est magnifique. Il y a un peu de vent, ça fait du bien. J'espère que ma caméra est encore là. Comme d'habitude, j'ai pas de quoi la sécuriser. On verra bien. Croisons les doigts, comme on dit. Touchons du bois. Là, on commence à grimper. Marseille! Est-ce que vous êtes là? Non! L'or du sud. L'or vert. Peut-être dans les narines, ça te requinque direct. On voit au bagne au loin. Je marche à contre-vent. Et ça, c'est une bonne chose pour que les animaux ne vous sentent pas. Parce que votre odeur, elle part derrière vous. Et quand vous allez dans cette direction, s'il y a des animaux devant vous, ils ne sentiront pas vos odeurs. Parce que la première chose qui les font vous repérer, c'est votre odeur. J'avais entendu parler que certains chasseurs ne lavent pas leur linge spécial, le chasseur d'image aussi, hein, pas que chasseur tueur, ne lavent pas leur linge pour éviter de se faire avoir par leur odeur de lessive. On devine le pic de Bertagne, juste au-dessus de Gémenos.
que l'herbe est couchée là. Qu'il y a une sorte de sente qui va là-bas. Et à moins de vent, on est dans le vallon. C'est très peu fréquenté. Donc ça pourrait être un bel endroit pour nos copains. On va essayer de faire le moins de bruit possible. De rester un moment calme. Et observer. J'en profite pour faire ma petite pause gougou. Maître Goudalier. Santé à tous les maîtres goudaliers. Et à tous les absents. De centre qui va vers là-bas. Les pissacans sont sortis. Et bolé des pins. Niveau gustatif, sans plus, mais comestible. Je vous en montrer un. Ils sont pourris ceux-là. Donc, si vous les cueillez, quand ils sont bons, il faut retirer les tubes parce qu'ils lâchent beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de sentiers. J'entends du bruit. Juste au pied de ce chêne là, il y a du bruit. Magnifique chêne. Je vais voir, c'est une sorte de coin posé, la possibilité de s'asseoir. Il est magnifique. C'est vraiment sympa. Hein. Une petite cabane là. C'est vraiment un bon petit coin pour passer la journée dans le calme avec les oiseaux qui chantent. Trouver une autre, une belle celle-là, qui a l'air pas vieille non plus. Et a l'air bien grosse. Tout ce lierre, c'est magnifique. On dirait que je suis même pas dans les calanques. Tellement que c'est beau. Il y a un petit truc là, on va aller voir. Peut-être qu'ils sont là. Petite fougère.
déjà rien. J'ai trouvé un autre chemin secret. Qui mène à un coin d'escalade, je crois. Ouais, on voit qu'il y a les dégaines de partout. Ça a l'air sympa. Ah ouais, mais il y a des gaines de partout. Sympa. Sympa le coin. La calamante, la menthe sauvage. Très très bon en infusion. On est reparti pour remonter tout ce qu'on a descendu. C'est ça la montagne. Je préfère la montée que la descente. Et ça travaille plus la montée. La descente, ça te nique les genoux. Des fois tu tombes sur des bouts de bois, t'as l'impression que c'est une merde d'animal, mais c'est un bout de bois, un bout de racine. Et ouais, j'ai tout remonté. Je suis pas très loin là. Ça m'a fait du bien là, d'écraser les poumons, faire battre mon cœur. Fait battre mon cœur. Je crois que c'est fini. Et ça continue. C'est là, il n'y était pas la dernière fois. Je suis passé au même endroit, il n'y était pas. Putain, j'ai tout redescendu. Il faut que je me retape toute la montée. Du sport. Là, je fais pas de bruit. Parce que j'ai pas le droit d'être là. Je suis au moindre affût du bruit. Je suis à l'affût du moindre bruit, pardon. Tu me suis mélangé les mots. Je me suis dit, je suis au moindre affût du bruit, est-ce que ça se dit? Souriez, vous êtes filmé. Pas, elle est juste à côté du piège. J'espère que je l'ai eu. On va le savoir ensemble. Elle est encore là. Coucou. Allez voir tout ce qu'il y a dedans. Je vous mets les images. Merci d'avoir visionné. Et à très vite. Ciao.